ions de méthanoate, etc., etc. On verra des exemples dans les exercices. Ensuite, alors à partir de cette définition de la constante d'acidité, on peut calculer le pKa et trouver une formule entre le pKa, le pH et le rapport des concentrations A- et AH. Donc ça, c'est la définition de la constante d'acidité. Maintenant, à partir de cette définition, je vais montrer une deuxième relation entre le pH, le pKa et le rapport des concentrations. On peut déduire une relation entre le pH entre le pKa et le rapport A- sur AH à l'équilibre. Comment ça? Eh bien, on va appliquer sur ce que j'ai noté en vert ici, le pKa, c'est-à-dire on va appliquer le moins logarithme décimal sur à droite et à gauche. Alors, ça va nous donner, ou je vais simplement appliquer le logarithme décimal. Ça va donner le logarithme décimal de ce qui est à gauche, c'est-à-dire le logarithme décimal de Ka égale au logarithme décimal de la formule, c'est-à-dire H3O plus à l'équilibre multiplié par la concentration de A moins divisé par la concentration de AH à l'équilibre. Ici, je peux appliquer les propriétés du logarithme décimal qui sont quasiment les mêmes que le logarithme népérien, puisque le logarithme décimal n'est qu'une version du logarithme népérien. Alors en particulier, on sait que le logarithme décimal de A fois B, c'est égal au logarithme décimal de A plus le logarithme décimal de B. Alors je vais séparer deux choses. Je vais séparer ce rapport seul et le H3 au plus seul. Alors ça va nous donner le logarithme décimal de la constante d'acidité égale au logarithme décimal de, puisque ces deux-là sont produits, si j'applique cette relation, ça va nous donner le logarithme décimal de H3 au plus à l'équilibre plus le logarithme décimal de la concentration de A moins à l'équilibre divisé par la concentration de AH à l'équilibre. Ensuite, je vais passer le logarithme décimal de H3 plus à gauche et le logarithme décimal de Ka à droite. Ça va nous donner moins le logarithme décimal de H3 au plus égale à moins logarithme décimal de Ka plus le logarithme décimal de 1 moins à l'équilibre divisé par la concentration de AH à l'équilibre. Et vous me direz que ça, ce qui est à gauche, on le connaît.
Ça, c'est rien que le pH. Le moins logarithme décimal de Ka, ça, on le note pKa. Donc, on va rappeler ici les deux définitions avec le pH égale à moins logarithme décimal de la concentration de H3O plus, alors je prends l'équilibre, et le pKa, donc ça c'est nouveau, le pKa, la définition du pKa c'est moins logarithme décimal du Ka. Et donc, notre relation devient pH égale pKa plus logarithme décimal de A- sur AH. Donc, on a le pH égale au pKa plus le logarithme décimal de la concentration de la base à l'équilibre sur la concentration de l'acide conjugué à l'équilibre, qui est une relation importante à connaître. Alors on peut l'apprendre directement ou alors bien comprendre comment poser cette équation bilan du couple acido-basique avec le couple de l'eau, poser l'équation, écrire l'équation de la constante d'équilibre, qui est la constante d'acidité, et à partir de là, appliquer le logarithme décimal jusqu'à arriver à cette valeur. D'ailleurs, dans pas mal de bacs, on demande cette démarche, de le faire dans des questions. Genre montrer que une relation entre le pH et le pKa, ou montrer que le pH égale pKa plus log, etc. etc. Donc ici, je garde ici une remarque mathématique. J'ai déjà parlé du pKa en disant que c'est moins logarithme décimal de Ka, mais cette notion est assez générale, donc je peux aussi parler du pKe, le Ke étant la constante d'autoprotolyse de l'eau, les 10-14. Donc ça fait aussi moins logarithme décimal de Ke. Et dans le cas général, le P d'une variable, le P de grand X, c'est égal à moins logarithme décimal du grand X. Ok, on continue donc par le diagramme de prédominance des espèces acides et basiques. Alors, pour le diagramme de prédominance, en fait, il s'agit de, il s'agit d'affirmer si
si dans une solution, aqueuse, c'est l'acide ou la base qui domine. En raisonnant sur le pH de la solution et le pKa du couple. Alors comment on fait? Eh bien, en fait, on trace un axe du pH. On positionne un point important qui est le pKa du couple considéré. Et on raisonne selon que le pH soit supérieur au pKa ou inférieur au pKa. Par exemple, si le pH est ici, c'est-à-dire le pH est inférieur au pKa, alors la concentration de l'acide qu'on a repéré comme AH est supérieure à la concentration de la base qu'on a repérée par le A-. Et si le pH est quelque part par là, on aura dans ce cas-là le pH qui est supérieur au pKa, auquel cas, maintenant, c'est la concentration de la base qui est supérieure à la concentration de l'acide considéré. On dit dans ce cas-là que c'est l'acide, non, ça c'est la base, donc c'est la base qui domine, donc la base prédomine, dans la solution. Ici, c'est la concentration de l'acide qui est supérieure à la concentration de la base, donc c'est l'acide qui prédomine. Vous me direz, mais qu'est-ce qui se passe si le pH égale pKa? C'est-à-dire si on est exactement au point où pH égale pKa. Ce n'est ni supérieur ni inférieur. Alors dans ce cas-là, en fait, on a l'égalité des deux concentrations. Donc je vais écrire que la concentration du A-, c'est égal à la concentration du AH. Et bien évidemment là, personne ne domine. Ils sont à égalité. Alors, avec les lettres comme ça, ça paraît super compliqué, mais on peut faire un exemple rapide pour éclaircir les choses. Par exemple, je donne le pKa, qui est une constante de l'HCOOH, qui est le couple acide méthanoïque et l'ion méthanoate, c'est OO-.